Bravo, Lutz. Belle démonstration. Je voulais m'amuser pour une dernière fois. C'est fini le temps du cirque. Maintenant, il faut travailler. L'armée, sergent Dabert. Olivier. Tu as trouvé quelque chose? Oh, c'est pas les propositions qui manquent. Mécanicien dans une usine de cycle, chauffeur livreur chez Samson. On m'a même proposé un poste de balayeur. Et toi? Je vivote chez mon père. On parle d'avion. Brigue 14. Ce doit être Rimbaud. Il a rempilé. Fait la poste. Facteur, pour un pilote de chasse. Et au moins, il vole, lui. Alors, facteur, on fait sa tournée ? Qu'est-ce que vous faites là? Comité d'accueil, mon lieutenant. Oh, pas pour longtemps. J'arrive à fin de contrat. Repos. Qu'est-ce que tu as en vue? Rien. Alors, bienvenue au club. Quel club? Le club des chômeurs. Allons arroser ça. Et chouette de ça. Ah, je suis content, ouais. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça me fait, j'en sais rien. Pour l'instant, je me contente de ce que j'ai. C'est pas terrible, enfin. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pas possible. Il y a toute l'aviation française ici. Toute. Enfin, presque. Qu'est-ce que t'es devenu? Je faisais du cirque. Ah, elle est chouette, l'aviation française. Un facteur, un clown, deux chômeurs. À nos ailes. Dis donc, si on allait boire un verre autre part, je trouve ça sinistre, moi, ici. Ben, on peut aller chez moi. Mon père vient de louer un appartement. On est en plein camping. Paraît qu'il a invité des gens. Il y aura Joséphine. La femme d'Étienne. Qu'est-ce qu'il devient?
Elle n'est pas repartie pour le Canada? Non, elle a trouvé un boulot dans le cinéma. Comme journaliste aux actualités. Avec Jolie, une amie de mon père. Ce sera sinistre. On boira du champagne chaud. On parlera avion. Beau programme. Ah, j'ai peut-être mieux à vous proposer, moi. Cocktail, champagne, petit four, hôtel particulier. Du beau monde qui regrette que la guerre soit finie, parce que la guerre, ça a été leur fortune. Je suis invité par le fils, un jeune gommeux qui rêve que d'avion. Alors ? Ben, y aura des filles superbes. De la musique nègre. Bon, pile ou face ? Face les petits fours, la Java, pile papa, les souvenirs, Joséphine. C'est lui ton admirateur ? Oui. Là-bas, c'est son père, monsieur Derblay. Derblay ? Oui. Fournitures de guerre. Bah oui, pour faire la guerre, faut des fournitures. Et Derblay, en un seul mot ? Oui. Remarque, il y a un certain temps, ils commencent à mettre un D apostrophe sur leur carte de visite. Messieurs, je viens d'apprendre qui vous étiez. Des as de l'aviation française. Oui, monsieur. Quatre as. Quel jeu. En tant que représentant du peuple, je vous adresse, au nom de la patrie, toute son admiration et sa reconnaissance. Vous êtes les plus dignes représentants de cette belle jeunesse française à qui nous devons tant. La patrie est trop bonne, monsieur, et vous la remercierez de notre part. Député, je parie. Vous ne vous trompez pas, jeune homme. Puis-je vous poser une question ? Mais comment donc ? Vous avez des droits sur nous. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Vous allez participer à l'œuvre de redressement de la France. Croyez-moi, pour la rebâtir, il va falloir les bras et le courage de tous ses enfants. Nous ne sommes pas des maçons, monsieur. Nous sommes des aviateurs. Oui, je comprends bien, voyez-vous, mais enfin, entendre paix les avions, n'est-ce pas, je ne crois pas que... Mais vous ne croyez pas. Il y a d'autres métiers pour des jeunes gens dynamiques. Oui, mais nous, on n'en connaît pas d'autres. Et on ne veut pas en connaître d'autres. On aime ça. Ce que vous aimez surtout, c'est la bagarre. Ah, messieurs les héros, la guerre donne de bien mauvaises habitudes. Entre autres, celle de s'écraser en flammes. Pour la patrie, comme dit monsieur. Allons, d'abord, vous savez très bien que là-haut, vous vous battiez surtout pour le plaisir. Le plaisir, c'était votre rayon, messieurs les planqués. Vous dépassez les bornes, ce me semble. Quelle borne ? Celle de la bienséance. Ah oui, la bienséance. Allez voir dans les cimetières. Ils sont pleins de héros comme vous les aimez. Oh, l'insolence ! Laisse, tu vois bien qu'ils sont ivres. À votre santé. Profitez-en. Les héros, on s'en fatigue vite. Désolé, madame, d'avoir endommagé votre cavalier. Ce n'était pas mon cavalier. Qui êtes-vous ? Cet hôtel appartient à mon père, monsieur. Et vous êtes son hôte. J'ai confié notre fils à ma famille. Il sera élevé au Canada. Je suis sûre qu'Étienne aurait été d'accord. Un beau défilé. Très beau défilé. Avec Joséphine, on a filmé au moins 600 mètres de pellicule. Il fallait voir la musique, l'ambiance. Dommage que le cinéma soit muet. Le cinéma parlera un jour, Jolie. En attendant, cher Dabert. Où en êtes-vous de votre ligne Paris-Marseille ? Ah, mais je n'ai pas d'avion. Et pourtant ? Il y en a des centaines qui s'entassent sur les terrains militaires. Une commission parlementaire étudie mon cas. Et si vous aviez les avions ?
qui ne sont que des appareils militaires destinés au combat. Je les transformerai. Avec quoi? Je demanderai une subvention. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes seul, Dabert? Sans argent, sans appui. Seul. Alors que l'Allemagne, vaincue d'hier, prépare déjà sa rentrée sur le plan international. Qu'elle tourne déjà le traité de Versailles. En travaillant à l'étranger pour mettre au point des prototypes qui relégueront au rang de coucou nos vieux briguets. Édouard, écoute-moi, Édouard. Si je partais faire un reportage sur ce que font les Allemands, hein, si je te ramenais des images, pas des mots, des images sur ce que préparent les Allemands, tu ne crois pas que ça réveillerait le patriotisme de ta commission? Si tu leur montrais ce qui se passe à l'étranger en leur disant « Voilà ce qu'ils font, eux. Alors et nous ?» Des images, oui. Oui, peut-être. Jo, vous êtes du voyage? Je me charge de tout avec la maison. D'accord, je suis partante. Merci tous les deux. Bon, mais je crois qu'il est tard. Édouard, si vous voyez Julia... Oui? Non, rien. Au revoir, Édouard. Vous êtes sûr que bien là que vous allez? Tout à fait sûr. Mais il n'y a rien ici. C'est justement ce qu'on aime. Bon, merci. Tu vois, je me rappelais bien. Deux cents entassés dans les bois alentour. Halte ! Qui êtes-vous ? Aviateur. On n'a pas le droit d'entrer ici. C'est un terrain militaire. Allons-nous-en. Tout ça ne sert à rien. Ah, la fille était jolie. Moi, je serais bien resté, mais... Les autres n'ont pas voulu. Rimbaud est reparti pour le Bourget. Assurer son service. Mercier est allé se coucher. Olivier et moi, on est allé se balader. Et en une nuit, vous avez trouvé le moyen d'insulter un député et de casser la gueule à un journaliste. Estime-toi heureux qu'on n'ait pas cassé la gueule au député. C'est peut-être lui qui préside la commission, qui doit t'accorder ta subvention. Je me demande d'où tu tiens cette agressivité. Je ne sais pas. La guerre. Alors peut-être que je tiens ça de ma mère. Tu as vu Joe? Tu le sais bien. Nous t'avons attendu. Oui. En contemplant la photo d'Étienne et en disant que je suis un salaud, c'est ça? Joséphine est partie. Comment ça, partie? Pour où? Partie. Comme ça, partie. C'est tout. Ah ben, bon voyage. Moi, je vais me coucher. Julien. Oh! C'est moi. Les Derblay veulent qu'on leur donne le baptême de l'air. Ouais. Non, mais alors tu te souviens de rien cette nuit. Les mômes d'Herblay, Hubert et sa sœur Louise. Oui. Leur père a fait mettre deux zingues à notre disposition par l'armée. Je baptise le frère et toi la sœur. On va revoler, Julien. Quand? Cet après-midi. Ils viennent nous chercher en voiture. Vous allez au Bourget? Vous m'emmenez, jeune Joe? Non, papa, l'aviation, c'est plus de ton âge. Édouard,
Savez-vous que Louise a épousé un prince, divorcé l'année d'après, conduit une ambulance sur le front, gagné le concours hippique de Deauville, acculé un colonel anglais au suicide et inventé un cocktail qui porte son nom. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus important. Julia, tu prends le Moran, moi je prends le Samson. Contact. En le bricolant un peu, on arrive à loger quatre personnes. Dites-moi, Pérez, croyez-vous qu'il soit possible de transformer la carlingue en une cabine fermée et étanche pour les passagers? Une porte latérale ici, avec une échelle amovible, des hublots de chaque côté. C'est bien de vous, ça, Dabert. La TQR les utilise comme tels, il a simplement fait rajouter des boîtes en bois pour le courrier. À chacun son idée. Moi, j'aimerais que les voyageurs soient le moins dépaysés possible. Mais peut-être pas très compatible avec la rentabilité. Si nous ne pensons qu'à la rentabilité, Pérez, l'aviation ne sera jamais ce que nous voudrions qu'elle soit. Je vous aime bien, Dabert. Je vous promets de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous faire attribuer quelques appareils. Moi aussi, vous savez, je souffre de voir tous ces zincs qui se rouillent à ne rien faire. Lyotet vient de donner à la TQR la concession pour les courriers aériens du Maroc. La ligne de Barcelone
va être prolongée jusqu'à Rabat. Cela veut dire des pilotes en plus. Vous connaissez la TQR. Si vous lui écriviez, je suis sûr qu'il ne refuserait pas d'essayer votre fils. Je ne crois pas que Julien puisse intégrer une équipe. Il est intransigeant, un caractère entier, agressif. Ces jeunes gens ont appris à manier le manche en même temps que la mitrailleuse. Tenez mon cocktail. Il s'appelle Louise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous trouverez pas. Si je devine? Personne n'a jamais deviné. Je veux connaître la récompense. Qui possède mon secret me possède. Et si vous vous trompez, je vous chasse. Le risque en vaut la peine. Fine champagne. Cognac. Jus de citron. Jus d'orange. Sirop d'orgeat. Une pointe de kirsch, peut-être. Encore un petit effort. Vous y êtes presque. Piment de Cayenne. Vous êtes formidable, Julien. J'ai l'impression d'être nu devant vous. Comment avez-vous fait pour trouver ? J'ai rien trouvé du tout et vous le savez très bien. J'ai dit n'importe quoi. L'intuition alors ? Même pas. Je suis sûr que rien de tout cela ne figure dans votre sacré cocktail. Vous êtes plus fort que je ne croyais. Eh bien, soit, j'ai envie de vous. Et si j'avais pas redressé? On serait mort. Tous les deux. Ensemble. Et on serait mort tous les deux. Encore jeune. Sans une ride. Beau. Tu sais qu'on est beau tous les deux? C'est parce qu'on s'aime. Dis, Julien. On s'aimera longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffirait de renforcer le fuselage par des longerons en métal léger. Vous êtes merveilleux, Edouard. Vous parlez avec l'enthousiasme d'un garçon de 20 ans. Mais j'ai 20 ans. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que vous êtes plus jeune que votre fils. Excusez-moi. Continuez, je vous écoute. Non, moi, ce que j'ai dit, c'était pour... pour me donner une contenance. Je reprendrai bien un peu à boire. Joséphine,
Vous n'avez jamais songé à vous remarier? Je crois que ce serait une erreur. Je ne sais pas très bien où je vais, mais... Mais j'ai besoin d'être libre. Je ne veux pas... Je ne veux plus dépendre d'un homme. Ma question était stupide. Je vous aime beaucoup, Edouard. Parlons plutôt de Julien, qui est plus plaisant. Soyez pas amère. Je trouve que vous devriez faire quelque chose pour Julien. Il en a besoin. Mais pourquoi? Il n'est pas à plaindre, après tout. On le traite partout en héros, il couche avec la fille d'un riche industriel. C'est moche ce que vous dites. Qui vous dit que je ne fais rien pour lui? Dabert est chez lui. Qui, le père ou le fils? Le fils, madame. Il vient de partir en courant comme un fou. Il avait l'air heureux, comme s'il allait à un rendez-vous d'amour. Merci. Tiens, regarde ce que vient, c'est. Monsieur, nous avons retenu votre nom comme candidat possible pour un poste de pilote sur nos lignes aériennes. Veuillez vous présenter mercredi 17 courant à 10h au terrain de Toulouse-Montaudran. J'ai tenu à ce que tu sois la première à prendre la nouvelle. Tu pars quand? Demain matin. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Pourquoi? Comme c'est ma dernière soirée à Paris, j'ai pensé que peut-être on pourrait la passer ensemble. Non, Julien. Bon. Comme tu voudras. Au revoir, Jo. À bientôt. Au revoir. Bonne chance. Et le plus extraordinaire, c'est que je leur ai rien demandé. Il faut croire que tu es plus connu que tu ne le supposes. Et puis dans le monde de l'aviation, le nom de Dabert, tout de même. Dis donc, ce serait pas toi par hasard? Après tout, tu le connais, la TECOR, toi? Moi? Quémander une place pour mon fils? Tu plaisantes, non? Oui, oui, oui. Oui, il est là, mais il repart. Il a rendez-vous mercredi à Toulouse. Quel petit cachotier. Alors, non seulement tu me poses un lapin, mais tu allais partir sans me dire au revoir? J'allais te téléphoner. J'ai reçu une convocation de la TECOR à Toulouse. Ils engagent de nouveaux pilotes. À Toulouse? Monsieur Thibault, s'il vous plaît. C'est pourquoi? Je me suis convoqué pour un essai de vol et je dois voir Monsieur Thibault. Pas la peine. Vous avez votre convocation? Suivez-moi.
Tu vas m'attendre dans la voiture? Vous connaissez? Un peu, oui. De Sailly. Oui. Il est en état de vol. Vous, si on veut. C'est-à-dire? Il y a une soupape qui déconne plus ou moins, mais ça vole. Ça ira? Ça ira. Sortez-le. Et Thibault? Monsieur Thibault, ne vous occupez pas de lui. Monsieur Thibault vous attend dans son bureau. Tu l'as fait exprès? Ouais. Entrez. Julien Dabert? Je vous ai dérangé pour rien. Je cherche des pilotes. Ouais, des pilotes. Pour transporter du courrier, des passagers, rien de plus.
voici une maquette du dernier modèle de notre F-13. Comme vous le voyez, c'est le premier appareil entièrement métallique. Le revêtement est en feuille de duralumin ondulé, ce qui lui donne une extraordinaire robustesse. C'est toute l'Europe que j'ai parcourue ces derniers mois pour vous apporter la preuve de la vitalité de l'aviation allemande. Les ingénieurs allemands sont partout. En Suède avec Henkel, en Suisse avec Dornier, en Russie avec Junker et Fokker. Lutz et Solke, tu les as vus ? Oui, oui, mais tais-toi. Voici des images tournées à Hollande, où les Allemands mettent au point un avion entièrement métallique. Hans, comment va-t-il ? Il s'est remis lentement de ses blessures. Il ne boit presque plus. Sa situation est pas voyante. Il m'a chargé de te saluer. La restriction imposée à l'Allemagne par le traité de Versailles quant au nombre des pilotes n'empêche pas ceux-ci de tourner la difficulté grâce au vol à voile, qui prend là-bas une extension considérable. Voilà, messieurs, ce que je rapporte de mon récent voyage sur les réalisations allemandes. Oui, oui, vous m'entendez bien. Les Allemands qui ont perdu la guerre. Et nous, les vainqueurs, où en sommes-nous en ce mois de septembre 1920 ? Que comptez-vous faire pour l'aviation commerciale ? Et où en sont les subventions que nous attendons depuis janvier 1919 ? Nous n'avons pas d'argent. Et si vous en voulez, demandez donc à M. Aristide Briand. Quand il compte faire payer à l'Allemagne les 20 milliards de marques or qu'elle doit aux Alliés au titre des réparations. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec la politique de rapprochement avec l'Allemagne que préconise Briand. Pas du tout d'accord. Bien. Mais laissons là la politique et revenons aux avions. Si nous n'entrons pas dès maintenant dans la course, demain il sera trop tard. Ce ne sont ni les appareils, ni les pilotes, ni les ingénieurs qui nous manquent. Mais il nous faut agir. Et agir vite! La TECOR l'a très bien compris. Et à ses propres risques, il a lancé sa ligne Toulouse-Barcelone. L'exemple est mal choisi, mon cher. La TECOR est un aimable rêveur qui est en train de se ruiner pour satisfaire ses lubies. Savez-vous, messieurs, que la TECOR parle tranquillement de relier l'Europe et l'Afrique, et tenez-vous bien, à l'Amérique du Sud. L'Atlantique en avion, soit 3500 km. Alors que les meilleurs appareils sont incapables de franchir plus de 400 à 500 km. Cela en dit long sur le sérieux du personnage. Il y a 20 ans, les gens comme vous croyaient qu'on ne décollerait pas du sol. Enfin, laissons là la TECOR et l'Atlantique. Je n'en demande pas tant. Mon intention pour le moment est de relier Paris, Lyon et Marseille. Nous avons le chemin de fer pour ça, monsieur. Mais je mettrai 3 fois moins de temps que le chemin de fer. Pour transporter combien de passagers ? 3 ? 4 ? La belle affaire. C'est commercialement aberrant. Du reste, qui accepterait de monter à bord de machines aussi peu sûres ? Quelques fous, et encore. Vous avez raison, monsieur. L'aviation est dangereuse. La preuve ! Avez-vous d'autres arguments à nous présenter ? Les images que vous venez de voir ne vous suffisent donc pas ? Oh, les images ! On en fait ce qu'on veut, des images. Monsieur Méliès a bien reconstitué en studio le couronnement d'Édouard VII. Quant à la concurrence allemande, à supposer qu'elle veuille se manifester, nous avons le traité de Versailles. Le traité de Versailles ? Oseriez-vous faire injure à tous nos morts ? Et pensez que ceux qui ont rédigé ce traité n'ont pas fait tout le nécessaire pour nous mettre à l'abri d'une éventuelle renaissance de la volonté d'hégémonie allemande ? Je ne veux injurier personne. Je veux des avions qui volent et qui tissent un grand réseau d'amitié entre les peuples. Thank you.
que ce coup-ci sera le bon. Ça fait 8 jours qu'Olivier travaille. En 8 jours, il a gagné 5 mètres. Le toit fait 20 mètres sur 12. Ici, il y a une balustrade. Et là, une enseigne lumineuse. Ça fait comme un couloir. Notre coucou fait 8 mètres d'envergure. Dommage que l'architecte qui a conçu les galeries Lafayette n'ait pas pensé qu'un jour on se poserait sur son toit. Vous êtes des enfants. Des enfants qui vont se mettre dans la poche une prime de 25 000 francs. Avoue que c'est tout de même plus rentable que de faire le facteur chez la Técoère. Ça, je crois qu'il va se poser. Bicyclette, ça! Il suffit pas de poser les pieds par terre pour freiner! On l'a vu! La garde tes réflexions pour toi! Bon, je remets ça. Faut que je plonge davantage! Que je prenne moins rasant! J'ai peur de bousiller le train! Bernard, tu pourrais pas le consolider un peu? Je peux! Mais ça va l'alourdir! Les galeries Lafayette, pourquoi pas la tour Eiffel? Plaisante pas. Faut qu'on réussisse. Pour la prime? Vous avez emprunté beaucoup d'argent? Pas mal, oui. Quoi est-ce, Olivier, qui pilote? On a tiré à pile ou face, c'est lui qui a gagné. Gagné ou perdu? Tais-toi, tu veux nous porter la poisse. Ce reportage que tu fais, c'est pour passer dans les salles de cinéma? Ah oui, bien sûr. Non, mais il n'y aura pas que vous, il y aura aussi vos concurrents. Et où en sont-ils? Bon, guère plus avancés que vous. Et une idée de la date à laquelle ils comptent tenter l'atterrissage? Mercier parle de 3 semaines, Védrine d'un mois. Faut qu'on réussisse avant. Me plaît beaucoup, Olivier. Pourquoi tu dis ça? Vous n'avez plus besoin de moi, je peux aller rejoindre Monsieur Edouard. Ton père est là? Oui. L'armée a fini par mettre à sa disposition un Breguet pour sa ligne. Toujours aussi rêveur. Peut-être un rêve plus utile que de se poser sur les galeries Lafayette. À bientôt. Au revoir, Olivier. Au revoir, Jo. Vous pouvez m'appeler Jules, hein? Excusez-moi, mais je préfère Olivier. Comme vous voudrez. Joséphine, j'aime bien, moi, comme prénom. Alors le voilà, ce premier appareil des messageries du Sud.
Allons pas trop vite, Joséphine. Il faut d'abord voir ce qu'il a dans le ventre. Fernand ? Il est pas frais. Je comprends pas qu'on vous ait refilé un pareil coucou. Et dire qu'il y a des centaines d'avions qui ont été construits juste avant l'armistice et qui n'ont jamais volé. Ben, je sais, je n'ai pas que des amis. On essaye le moulin, Fernand ? Si vous y tenez, monsieur Edouard. Lyon, Marseille et l'Algérie. Les deux. Vous faites les mécanos? On partage le nôtre avec Edouard. C'est la misère. Pauvre petit pilote. Heureusement que Louise est là. Ça y est, j'ai l'argent. Un beau petit papier signé Papa d'Herblay. Qui vaut 15 000 francs. C'est cher pour un jouet. Il a accepté comme ça? Il n'a pas demandé de garantie. Quelle garantie? C'est mon cadeau de Noël avec un peu d'avance. Alors je te plais comme commanditaire? Tu me jures que c'est Olivier qui pilotera? Eh oui, on a tiré à pile ou face. Bon. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Après, on verra. Pour l'instant, il faut qu'on gagne. Tu es toujours aussi sûr de gagner?